Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. Je vous présente le journal télévisé La PFA. Et je commence par Viviane et Stéphanie pour la blanchisserie, pour la nouvelle machine. Bonjour, on est à la blanchisserie. On a reçu des nouvelles machines. C'est les machines pour plier le linge. C'est pas mon écriture. Et après, ça monte tout ça. Et on donne à Teresa qu'un trip à couleur. Maintenant, on va vous présenter Benjamin qui travaille au ménage. Il nous montre comment ils font le ménage. Bonjour. L'atelier ménage des Avis du Pain, c'est ici. Ça se passe bien, comme d'habitude. Tout se passe très bien, rien d'exceptionnel, mais ça va. On fait le ménage, nettoyer les cuvettes de WC, laver le lavabo, nettoyer le miroir, nettoyer les portes, faire les murs et aussi les plinthes, balayer par terre et laver par terre. En ce moment, dans le hall de les jeunes de la SAS, nous présentent les photos pour nous présenter par Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue à la SAS de l'essai du 8 part et l'exposition de photos. Merci. Et ça ne sert pas à toutes ces photos? Toutes les photos, c'est nous, on les a fait tous. Il y a Yunis, Osgué, Laura, non. Saraya, Kylian, qui sont pas là que l'instant, ils sont au cheval. Mm-hmm. Et Saraya, voilà, exactement, c'est l'équitation. Ils sont pas là que l'instant, ils sont là ce que l'après-midi. Et c'est l'exposition, nous, il a fait ça toute l'année. Ok, Hélène. Nous, il a fait ça toute l'année, tous les mercredis après-midi. Tous les mercredis, c'est nous, il a fait l'exposition de photos. Aujourd'hui, facilement. Aujourd'hui, c'est l'exposition aux photos, aujourd'hui, le 21 juin. Tout de suite, on va proposer une autre exposition de poterie animée par Pascal et présentée par Christian. Bonjour, nous sommes actuellement dans les locaux de l'ESAT. On veut réaliser une exposition de modelage. Et je vais poser quelques questions à Nicolas qui est travailleur à l'ESAT et qui a réalisé aussi une sculpture. Bonjour Nicolas, je voulais savoir combien de temps tu as mis pour préparer ta sculpture. Est-ce que ça a été dur, long? Une fois par semaine, le mardi matin. Entendu, d'accord. Et ça va, c'est pas fatigant, c'est long, c'est... Bon, ça va. On fait comme si c'était de la pâte à modeler, et c'est en terre. Voilà. Pour pas que ça sèche trop pendant la semaine, un tissu, on mouille. Une autre question pour finir. Je veux savoir, après ces sculptures, vous allez faire partager aux autres travailleurs, les vendre pour... Voilà, on fait une expo et après, on ramène ça. Maintenant, on va aller au cartonnage où il travaille France. Bonjour. Nous voici à présent dans l'atelier cartonnage là où je travaille. Aujourd'hui, nous travaillons sur des vêtements à mettre sur des centres par taille. Lorsque c'est mis, on passe à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse s'y ranger dans des cartons. Comme ça. Merci d'avoir regardé ce journal présenté par moi, Alain Dracé. Au revoir et à bientôt.